disponible pas mal de ressources. Et en été, comprenez maintenant, avec Arbre Libéré, le numéro 14, Bella Canta tente de regagner du terrain, mais en être trait. La ligne droite finale avec Juan d'Argent, le numéro 2, qui fait un véritable cavalier seul. Devant ensuite Los Cabos, son compagnon d'entraînement, Fabuleux Souvenir, se défend bien également, avec Capitaine Crochet également, qui ont fait un terrain considérable depuis un petit bout de temps, et Cantario se défend bien. Dernière difficulté franchie nettement en tête par Juan d'Argent qui précède Fabuleux Souvenir qui se défend bien mais en être très du lauréat en troisième position. On fait beaucoup de terrain maintenant avec Capitaine Crochet le numéro 6 alors que Los Cabos s'est battu. Pas de problème pour Juan d'Argent qui file au poteau en net vainqueur. Deuxième place pour Fabuleux Souvenir numéro 5, troisième place pour le 6 Capitaine.